بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 17 sur le cours des suites numériques niveau bac de sciences math, l'année scolaire 2022-2023. Calculer limite de n plus 1 moins sinus de 2n quand n tend vers plus l'infini. Puis limite de 2 fois moins 1 le tout à la puissance n plus 4n au carré plus 3 quand n tend vers plus l'infini. Réponse. On va calculer la première limite. Calculons limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 moins sinus de 2n. Posons i de n est égal à n plus 1 moins sinus de 2n. On sait que sinus de 2n est compris entre moins 1 et 1. Donc moins sinus de 2n est aussi compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que n plus 1 moins sinus de 2n est compris entre n plus 1 moins 1 et si n plus 1 plus 1. Ceci implique, bon, cette expression mathématique nie que i de n, donc i de n, il est supérieur ou égal à n. N'est-ce pas? Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à plus l'infini, alors forcément limite de i de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, puisque i de n il est déjà supérieur à n. Et quand n tend vers plus l'infini, la suite n tend vers plus l'infini, donc limite de i de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Calculons limite de 2 fois moins 1 tout à la puissance n plus 4n au carré plus 3 quand n tend vers plus l'infini. Posons, si vous voulez, v de n ou bien vn est égal à 2 fois moins 1 le tout à la puissance n plus 4n au carré plus 3. On sait que moins 1 le tout à la puissance n, il est supérieur ou égal à moins 1. Si n est pair, moins 1 le tout à la puissance n, c'est 1, qui est supérieur ou égal à moins 1. Si n est impair, alors moins 1 le tout à la puissance n est égal à moins 1. Donc, 2 fois moins 1 le tout à la puissance n est supérieur ou égal à moins 2. Ceci implique que 2 fois moins 1 le tout à la puissance n plus 4n au carré plus 3 est supérieur à moins 2 plus 4n au carré plus 3. Ceci implique que v de n il est supérieur ou égal à 4n au carré plus 1. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 4n au carré plus 1 est égal à plus l'infini, alors
limite de V de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Puisque V de n, il est supérieur ou égal à 4n au carré plus 1. Et limite de 4n au carré plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite de V de n est égal à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.